Située à une pointe du col du Glandon, la station de Saint-Colomban-des-Villars offre aux vacanciers un domaine skiable de 45 km de piste, desservi par 8 remontées mécaniques. Ce domaine, adapté à tout niveau, offre cette année de nouvelles activités sur son domaine skiable. Pour élargir son offre auprès des familles, la station propose au sommet de ses pistes un border cross, un border kid sur le front de neige et cette année une nouvelle activité appréciée de tous, le snow tubing. Cette année, on a souhaité un peu élargir l'offre, notamment pour les enfants. Donc on a créé cette piste de tubing qui est juste derrière moi, et puis une piste de luge. Et puis sur le haut du domaine, on a remis en place un border cross. Et sur la partie débutante, donc sur le front de neige, on a un mini border, un border kid. Les skieurs peuvent profiter du border cross et du border kid durant les horaires d'ouverture du domaine skiable. Le snow tubing est quant à lui ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Un tapis est mis à disposition pour remonter au sommet de la piste, mais les plus courageux pourront remonter à pied ou en courant pour garder la forme. Afin d'éviter tout accident, une piste de luge sécurisée a également été créée spécialement pour les enfants. Le constat, c'est qu'on a vraiment un public famille avec beaucoup d'enfants. On avait une offre qui était un peu limitée sur cette clientèle-là. Une grosse utilisation des luges sur le front de neige qui était plus ou moins sécurisée. Et on a souhaité canaliser cette utilisation des luges et rajouter la partie tubing, donc bouée, parce que ça a beaucoup de succès et les gamins adorent ça. Au départ de la piste, un peu d'appréhension, mais l'excitation prend vite le dessus. Je vais essayer la piste de luge là. Et puis ça a l'air bien. Moi, je sais pas, je veux juste savoir les sensations, donc voilà. Oh, c'était trop bien, franchement, il y a plein de sensations. On tourne dans le grand virage, c'est vraiment bien. Et puis, ce qui est bien, c'est aussi de partager avec les amis, donc c'est bien. Et puis, j'ai vu aussi qu'on pouvait le faire à plusieurs, donc c'est génial. Des activités ludiques utilisées aussi parfois par les élèves du club de la station, comme le border cross. Pour le club, on s'amuse et aussi on peut faire des chronos. Des activités qui plaisent aussi aux plus grands. C'est super, surtout pour les enfants. Et bon, pour nous aussi, on adore. Et ça met un plus, au moins il n'y a pas que les pistes, c'est d'autres activités. Chaussé de vos skis, accompagné de votre luge ou de votre bouée, il est désormais possible de profiter de nombreuses et diverses activités à la montagne.